On est pas bien? À la fraîche. Minute Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le flash de midi 20 du vendredi 16 novembre. Demain, vous verrez peut-être des gilets jaunes. Avant les blocages, une question posée par notre journaliste. Peut-on être écologiste et gilet jaune? Pas simple. Les deux camps sont d'accord. Il y a une injustice fiscale sanctionnant les automobilistes alors que des avantages sont donnés à des gros pollueurs. Mais, nous rappelle Fabrice Pouliquen, il reste un point de désaccord profond. Le maintien ou non de la taxe carbone. Brexit, sale journée hier pour la première ministre britannique Theresa May, avec une série de démissions de ministres. Présentant son projet de divorce avec l'Union européenne, elle a agité la menace d'un retour en arrière si elle n'obtient pas de soutien. La guerre à l'homéopathie et les pseudothérapies lancées par l'Espagne, ce sont les échos qu'ils rapportent. Madrid lance un plan pour expulser des universités et des centres de santé toutes les thérapies non validées scientifiquement. Les autorités s'inquiètent que certains patients remplacent ou retardent leur traitement conventionnel, réduisant ainsi leurs chances de guérison. Étoile B de Barnard, c'est le petit nom d'une super Terre découverte à seulement 6 années-lumière de chez nous. Bon, une année-lumière, ça équivaut à 9,460 milliards de kilomètres. La planète a été détectée grâce à des spectrographes, des chasseurs de planètes de l'Observatoire européen austral installé au Chili. Comment devenir riche? C'est la recherche la plus effectuée sur Google. C'est le résultat d'une étude sur les requêtes effectuées par les Français sur ce moteur de recherche depuis 1998. Qu'est-ce que ça signifie? Nos requêtes sur le moteur de recherche révèlent nos secrets les mieux cachés, explique à 20 minutes un économiste spécialiste du Big Data. Minute Papillon, rendez-vous ce soir 18h20 pour un nouveau flash.